Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, au niveau de laquelle nous allons voir ensemble l'application Video Split. Mais avant de commencer notre présentation, je tenais à partager avec vous le compte Instagram d'un jeune petit bonhomme qui essaie de se faire une petite place au niveau du réseau social. Je vous mettrai le lien de son compte au niveau de la description de la présentation. Donc aujourd'hui, ça va être l'application Video Split disponible gratuitement sur l'App Store. Bien évidemment, et à l'accoutumée, je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description de la présentation. En effet, l'application jouera une seule et unique fonctionnalité très utile, et c'est le fait de découper vos vidéos de façon à pouvoir les poster comme étant des stories sur les réseaux sociaux. Parce que comme vous le savez, mis à part Instagram qui permet la chose nativement sur son application, les autres réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook ou encore Messenger limitent la durée de vos vidéos comme story en 30 secondes au grand maximum. Démonstration, nous allons ouvrir WhatsApp pour l'exemple. On va essayer de poster une vidéo comme story. Par exemple, on va opter pour celle-là qui est de 55 secondes. Mais vous allez voir qu'elle est limitée à 30 secondes. D'où tout l'intérêt de l'application Video Split. Une interface très très simple au niveau de laquelle vous allez avoir un seul bouton qui est Choose Vidéo. Vous pouvez choisir la vidéo bien évidemment depuis votre pellicule photo. On va opter pour cette vidéo, choisir, et par la suite vous allez définir la durée de chaque morceau de votre vidéo. Donc pour l'exemple, on va opter pour 20 secondes. On clique sur le bouton Split, le découpage est fait, et puis par la suite vous pouvez voir directement au niveau de votre pellicule photo que j'ai 4 morceaux qui se sont créés, ou bien 3 morceaux de 20, 20 et 15 secondes. Et comme ça, je pourrais très bien les partager comme étant des stories sur mon WhatsApp, pour l'exemple. Donc, c'était tout pour cette présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Des questions, des propositions ou des remarques, j'en suis preneur. Et moi de ma part, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.